Salut à tout le monde net sans distinction. Parce que Ronya, c'est tout le monde qui a suivi série de tutoriels de Valio, qui s'est maître d'œuvre, qui s'est maître d'ouvrage. Josia, de Valparti pour 10e numéro de tutoriel. Côté que nous allons faire devis, ferraillage, chaînage inférieur. Double clic sous Deval. Double clic sous logiciel là. Nous allons faire devis, ferraillage, chaînage inférieur. Logiciel là ouvri. Nous agrandi logiciel là sur tout écran. Nous faisons un coup d'œil sous guide de Val là. Pour nous garder le nombre de mètres linéaires de chaînage inférieur que nous avons pour nous faire. Nous avons un modèle de plan qui est trouvé dans la page 4, mais modèle de plan. Et puis, mettre plan ça trouvé dans la page 5, que nous avons les fiches techniques. Fiches techniques plan dit, nous avons pour chaînage inférieur, nous avons 105,25 mètres linéaires de chaînage inférieur nous avons pour nous faire. Eh bien, d'accord, ces informations, ça nous a besoin. Nous allons dans l'étape ferraillage, chaînage inférieur. Là. Nous cliquons. Le logiciel là dit, entrer la longueur totale du chaînage, c'est 105,25. Et puis, vous pressez Enter. Dixième, entrer la longueur de recouvrement. Nous allons faire un coup d'œil. Longueur de recouvrement. Là, nous gagnons deux barres d'acier. Nous gagnons deux barres d'acier. Nous décidons de lier entre eux. Nous décidons de faire à une longueur de recouvrement de 60 cm, qui c'est 0,6 m. Et puis, ce qui est important pour moi dans le calcul, nous allons faire à tout, c'est développement 4 mètres. Longueur 4 mètres, c'est 0,35 m. Et puis, hauteur, c'est 0,1 m. 4 mètres, on va développer 0,35 plus 10 pour demi-périmètre qui bombe 45. 0,35 plus 10 pour l'autre demi-périmètre là, qui bombe 45, qui va faire 1,90. Et puis, m'a gagné 5 cm pour crochet dans chaque point qui va bombe un total de 1 m. 4 mètres, on va développer de 1 m. Et puis, espacement entre cardio. Espacement, on va placer cardio à 15-15. Ok, nous allons faire un coup d'œil exactement sur la maçonnerie de roche là, côté que nous allons déposer ferraillage, chaînage inférieur. Là, on fait un coup d'œil. Là, nous avons la maçonnerie de roche là. Nous allons déposer ferraillage, chaînage inférieur à celui. Qui ça me décide de faire là-dedans? Là-dedans, on dit, je vais mettre 6 filles de mi. 6 filles de mi. On regarde ensemble. On a 1, 2, 3, 4, et oui. 4, 5, 6, 6 filles de mi. Et puis, je place 4 yo à 15. Ok! C'est comme ça. C'est toute information ça que moi-même, j'ai besoin qu'on ait pour m'entrer sur le logiciel là. Là, je déjà connais tout ça, nous pas le faire. Là, nous avons tout travail là, du début jusqu'à ce que nous arrivions dans l'étape ça. Nous avons toutes les fondations comment faites. Ok? Et bien, on va retourner dans le logiciel là qui c'est de Val. Là, je vais dire entrer la longueur de recouvrement. Longueur de recouvrement, c'était 0,6. Entrer la longueur d'un cadre ou d'un épingle, c'était 1. La longueur de l'espacement entre les cadres ou épingles, c'était 0,15. Tapez 1. Si on utilise une seule catégorie de barre longitudinale, 2 si on utilise 2. Je vous dis que je vais utiliser 6 phi demi. Ça veut dire une seule catégorie qui c'est phi demi. Et bien, après, c'est 1. Le nombre de barres longitudinales, c'était 6. La longueur d'une barre longitudinale, une phi demi de 27 pieds qui est égale à 8,1 mètres. Le prix, admettons que l'écoute 140 $ sous marché. Le poids, la pesée 18,04 parce que c'est 27 pieds le gagné. Le prix du transport, le prix du transport, m'estimer qu'il a porté chaque barre moins 7 $. La longueur de, d'une barre transversale, FICA que me décide de faire cardio, la longueur d'une barre c'est 6 mètres. Le prix d'une barre, m'estimer que, admettons que l'écoute 22 $. Le poids, la pesée, 3,34 livres. Poids, c'est toujours un livre. Le prix du transport d'une barre transversale, admettons qu'il a porté le moins 2 $. Le prix d'un livre de fil à ligaturer, il coûtait 22 $. Le prix de la main-d'œuvre par livre d'acier, je décide de payer 1,5 $ par livre. Le pourcentage de l'ingénieur qui s'est dernier donné logiciel à demander, je dis que je travaille à 10% et je me fais enter de valguer temps prêt pour le vendre tout résultat que je cherche. Qui ça de valdi? Le nombre de barres longitudinales est 92. Le prix d'achat des barres longitudinales est 12 880. C'est monté de chaque barre coûté 140 $. Le nombre de barres transversales est 117. Le prix d'achat des barres transversales, 2574. C'est moi qui ai dit chaque barre a coûté 22 $. Le nombre de livres de fil à ligaturer, 41, qui c'est 10% de poids total acier. Le prix d'achat de fil à ligaturer, 902. C'est moi qui ai dit chaque livre a coûté 22 $. Le prix du transport, 878, 10% de tout achat. Non, c'est pas 10% de tout achat, on a cassé, non. Prix transport, c'est moi qui ai dit qu'il y a poté chaque barre.
et demi à 7 dollars, et chaque bas 3 huitièmes, et chaque bas Ficario à 2 dollars. C'est ça qui fait le prix de montée, 878 dollars. Le prix de la manutention, 10% de transport là. Le prix de la main-d'œuvre, 3 075 à 1,5 dollars par livre. Le prix des imprévus, 10% de tout achat que me fait. Les frais de supervision que me fixé à 10%, 2 243 dollars. Le prix de revient. Le prix de revient qui c'est 24 681 dollars. En fin de compte, logiciel là pas bon un résumé. Unité à c'était livre, quantité livre m'a besoin c'est 2050 livres, prix unitaire, revenu par livre c'est 12 003 et puis prix de revient total c'est 24 681 dollars que maître d'ouvrage a besoin pour faire ferraillage chaînage inférieur. Me sélectionner de base en haut jusqu'à ce que m'arrive dans le titre et puis me presser enter deux fois et puis me cliquer sur enregistrer pour me stocker tout calcul que me saute faire. Et puis elle est arrivée là, me presser paste et puis tout calcul là déjà enregistré. Merci, à la prochaine. N'a tourner pour coffrage chaînage inférieur.